président, d'avoir répondu présent à notre invitation. Nous recevons donc ce matin M. Roland Pellet, qui est président de la commission de déontologie de la fonction publique depuis le mois de juillet 2015. La commission constitue l'organe central du dispositif d'encadrement des conflits d'intérêts et la veille en matière déontologique. Votre retour d'expérience sera donc particulièrement enrichissant pour nos travaux, dans la mesure où vous pourrez comparer la situation avant les évolutions intervenues en 2016 avec celle d'aujourd'hui. Bon, nous savons qu'il y a eu des évolutions législatives il y a peu et que le temps qui s'écoule depuis est peut-être court pour porter un vrai jugement sur l'efficacité, mais de par votre expérience, je pense que vous pourrez déjà peut-être vous identifier certains points à améliorer ou certaines zones du droit qui posent souci, et puis d'autres par contre qui, au contraire, ont été totalement réglés par les évolutions de la loi Sapin 2. Je vous propose de vous laisser la parole, peut-être présenter rapidement votre institution, faire une présentation telle que vous l'aviez imaginée en fonction du questionnaire qu'on a envoyé. Puis, dans la foulée, on partira sur un échange avec les collègues ici présents, peut-être pour approfondir certains points avec vous. Voilà, je vous laisse la parole avec plaisir. Merci, Monsieur le Président. Mesdames, Messieurs. Oui, la commission de déontologie de la fonction publique a déjà une longue existence, mais plus précisément, elle devait avoir une existence par morceaux, puisqu'en fait, il y avait au début, si je peux dire, après la loi Sapin 1993, trois commissions, en fait, une pour chacune des trois fonctions publiques, qui ont fusionné progressivement pour devenir, en 2007, la fonction de déontologie, en 2009, pardon, l'unique commission de déontologie pour l'ensemble des fonctions publiques, fonction publique de l'État, fonction publique hospitalière, fonction publique territoriale, auxquelles s'ajoutent, c'est peu connu, mais je tiens à le préciser, les compétences en matière de recherche, puisque nous sommes chargés de l'application de la loi dite Allègre, qui permet aux chercheurs de prêter leur concours à des entreprises qui valorisent leurs travaux de recherche, pour peu que cela se fasse dans le respect des intérêts financiers du service public de la recherche, c'est-à-dire avec un contrat entre les laboratoires dont dépend le chercheur et l'entreprise en question. C'est une centaine de dossiers par an, mais ce sont des dossiers très, très importants, je venais à le mentionner. C'est un petit peu en marge par rapport à ce qu'on a l'habitude de dire de notre commission. Voilà. Alors, les questions, initialement, la commission, elle avait compétence uniquement pour les questions de départ dans le privé, pour la prévention des prises illégales d'intérêt, c'est-à-dire de l'interdiction faite aux fonctionnaires et agents publics d'une façon générale d'être recrutés dans un certain délai suivant leur sortie de la fonction publique par des entreprises pour lesquelles sur lesquelles elles avaient exercé des contrôles. C'est une disposition du code pénal qui se trouve aujourd'hui à l'article 432.13 pour le départ dans le privé et 432.12 pour ce qui concerne le cumul d'activités privées avec des fonctions publiques, mais qui existait dans le code pénal depuis très longtemps. On en trouve dès le code pénal 1815, il y avait une disposition non formulée dans les mêmes termes, qui allait dans le même sens et pour lequel le législateur a cru bon de mettre en place à un certain moment un dispositif de prévention qui est sous la forme de la commission. Puis s'y ajouter, après la loi de 2007, une loi importante qui a d'une certaine manière libéralisé les passages entre fonction publique et fonction privée, et qui a en particulier autorisé les fonctionnaires et plus généralement agents publics de cumuler avec leur fonction publique des activités privées sous la forme de création d'entreprises. Et le contrôle déontologique qui s'exerce sur ce cumul occupe une part numériquement importante de l'activité de ma commission, je dirais même une part majoritaire, ce qui traduit probablement, j'imagine, le besoin pour de nombreux fonctionnaires, notamment de catégories moyennes, voire inférieures, de trouver quelques ressources complémentaires pour améliorer leur train de vie. Et ils sont en tout cas nombreux à faire usage, sous la forme, la plupart du temps d'ailleurs, d'autres entreprises, puisque la loi leur en donne la possibilité de pratiquer ces exercices de cumul qui se fait pour un temps limité. Je précise, c'est 2 ans, allongeable 1 an. Donc, ça s'est ajouté après 2007. La loi de 2007 a également eu un autre effet, qui est un double autre effet, qui a été d'une part de réduire de 5 à 3 ans le délai pendant lequel l'interdiction dont j'ai parlé a
lieu, c'est-à-dire qui est l'horizon de ma commission. Au-delà de ce, des 3 ans, nous n'avons pas de droit de regard. C'est un point important. J'aurai peut-être l'occasion d'y revenir ensuite parce que c'est une question sur laquelle le législateur n'est pas revenu depuis, en particulier pas à l'occasion de la loi du 20 avril 2016. Et puis, elle a d'autre part limité, à l'époque, les cas de saisine obligatoire de la commission. Seuls devaient saisir obligatoirement la commission les agents qui avaient eu l'occasion pendant les 3 ans par conséquent, 5 ans devenus 3 précédemment, d'exercer sur des entreprises des contrôles, ou de passer des contrats, ou d'avoir des interventions dans le cadre de décisions sur des opérations concernant les entreprises. Bon, comme vous le savez, la loi du 20 avril 2016 est revenue sur ce dernier point, puisqu'elle l'a désormais rendu obligatoire, et ça n'est pas sans effet sur l'activité de ma commission, la saisine de la commission pour tout départ dans le privé, que ce soit un départ définitif par démission ou temporaire par mise en disponibilité, voire par détachement, puisque dans certains cas, le détachement peut s'opérer dans des entreprises, même publiques, mais qui sont à regarder comme des entreprises ayant une activité sur un secteur concurrentiel, ce qui est le critère sur lequel, pour lequel nous trouvons compétents. Donc, voilà, si vous voulez, pour très, très, très brièvement, je répondrai ensuite peut-être aux questions que vous aurez à poser sur ce point, mais pour que vous ayez un petit panorama, même sommaire, des évolutions au cours des dernières années. Voilà. Alors, s'agissant de la loi du 20 avril 2016, effectivement, il est un tout petit peu tôt pour en faire un bilan exhaustif. D'abord parce que cette loi du 20 avril 2016 n'est entrée en vigueur que le 1er février 2017 pour ce qui concerne les dispositions concernant la commission de déontologie. Il fallait attendre, elle prévoit un décret en Conseil d'État concernant la mise en œuvre de ces dispositions. Ce décret a été publié, il a été signé le 27 janvier 2017 pour entrer en vigueur presque immédiate au 1er février. Bon. Donc 1er février 2017, c'est un peu moins de 8 mois. Donc c'est vrai que ça n'est pas extrêmement, extrêmement long pour avoir une idée complète. Mais je peux quand même affirmer, tirer sur certains points un constat. D'abord, le premier point, c'est une hausse très sensible du nombre de saisies. Alors, il faut voir là l'effet, évidemment, du caractère désormais obligatoire de la saisine de la commission en cas de départ dans le privé. Toujours est-il que je vous fournirai un tableau, puisque dans le questionnaire qui m'a été remis, il est prévu un certain nombre d'éléments d'information. Donc vous pourrez trouver ce tableau dans le document que je remettrai à l'issue de l'audition, enfin dans quelques jours. Nous avions, grosso modo, entre 2008 et 2015, entre 2000, enfin c'était monté jusqu'à 3000 avis, hein, 3145 en 2015. Dès 2016, le nombre de demandes d'avis est passé à 3500, presque 3600. Et en octobre, nous n'avons pas encore terminé l'année 2017, nous ne sommes qu'en octobre, mais déjà au cours des 8 premiers mois de 2017, on est à 4306. Donc nous allons faire plus d'un millier de saisines supplémentaires par rapport à 2016, probablement. Donc ça, c'est le premier point. Alors, ce nombre de saisies peut vous paraître important, mais il comprend, comme je l'ai indiqué, pour une grosse part, des demandes d'avis sur des cumuls d'activités. Ce n'est pas pour leur en totalité des départs dans le privé, bien sûr, qui représentaient peut-être en gros le quart du total. Par ailleurs, la compétence de la commission s'est accru sur un point qui, je crois, a son importance, mais qui n'est pas encore complètement, on n'apparaît pas encore complètement, qui est la possibilité pour les administrations de faire à la commission des demandes de recommandations sur des situations, soit sur l'application des articles d'une façon générale de la loi, d'un certain nombre d'entre eux en tout cas, et sur l'application de ces articles, soit en général, soit sur des situations individuelles. Alors, pour le moment, nous ne sommes pas submergés par les demandes, mais dès le début de l'année 2017,
Certaines demandes nous ont été présentées de façon parfois un peu maladroite, en ce sens que les administrations n'ont pas peut-être encore bien perçu, au-delà même de l'existence de cette faculté qui leur est désormais offerte, la nature des demandes de reconnaissance qu'elles pouvaient faire. C'est ainsi qu'on en a reçu pour lesquelles nous avons dû décliner notre compétence, qu'elles portaient sur des sujets qui n'entrent pas dans les compétences de la Commission, du type opportunité d'un détachement au regard de considérations liées à l'intérêt du service, qui ne concerne pas la Commission. C'est d'ailleurs un point, j'ouvre une petite parenthèse sur laquelle il y a encore des progrès à faire dans nos rapports avec les administrations, en ce sens que on saisit la Commission de déontologie, on attend d'elle parfois des réponses complètes, mais la Commission de déontologie répond sur les questions de déontologie. Ça ne prive pas l'administration de faire de son côté, de prendre ses décisions au regard de considérations liées à l'intérêt du service. Ça, c'est l'affaire de l'autorité administrative, ça n'est pas l'affaire de la Commission. Et quand nous sommes saisis de questions liées à l'intérêt du service, nous disons que ça ne nous regarde pas. Je ferme cette petite parenthèse, mais qui a aussi sa petite importance, en tout cas je l'ai vu à travers les demandes de recommandation. Et par ailleurs, nous avons eu des demandes de recommandation plus intéressantes. Leur nombre est encore faible, mais ça commence à venir. Sur les questions sur lesquelles la loi a progressé, et en particulier sur celle de l'autosaisine, la loi a allongé de 10 jours le délai dans lequel le président de la commission peut saisir lui-même la commission d'un cas, 10 jours à compter du recrutement de l'intéressé. Autant dire que c'était une disposition qui ne pouvait avoir d'effet réel et concret, donc c'est allongé à 3 mois. Pour le moment, je n'ai pas eu à mettre en œuvre cette disposition. Ça aurait pu être le cas une fois. Il y a une connaissance d'un cas, mais parce que l'intéressé se disait prêt à nous saisir, puis finalement la commission a été saisie. Donc à ce jour cette disposition n'a pas encore été mise en œuvre. Alors, autre modification importante apportée par la loi, qui est cette fois sur le fond, le champ du contrôle déontologique s'est élargi. Avant la loi du 20 avril 2016, il portait sur l'atteinte à la dignité des fonctions ou au fonctionnement normal, à la dépendance ou à la neutralité du service. Depuis la loi, vient s'y ajouter, ces éléments sont toujours présents, mais vient s'y ajouter toute atteinte à tout principe déontologique mentionné à l'article 25 de la loi du 13 juillet 1983, c'est-à-dire... Alors, on retrouve l'exercice des fonctions avec dignité, mais s'y ajoute l'impartialité, l'intégralité, la probité, l'obligation de neutralité, le respect du principe de laïcité. Alors, nous n'avons pas eu encore sur certains, ça fait longtemps que nous, sur les questions de dignité, nous appuyons nos avis parfois, surtout en cas de cumul d'ailleurs, un certain nombre d'avis, et en tout cas de réserves, formulées sur des avis de compatibilité. En revanche, respect du principe de laïcité, probité, pour le moment, je n'ai pas encore vu de cas pour lequel ces principes auraient dû être mis en avant, mais il n'y a pas de raison que ça ne se produise pas un jour. Par ailleurs, ça c'est l'aspect contrôle déontologique, mais avant d'en arriver au contrôle déontologique, la commission exerce ce qu'on appelle le contrôle pénal, c'est-à-dire le contrôle de la prise illégale d'intérêt, article 432.13 du Code pénal, c'est l'interdiction qui est faite aux fonctionnaires d'être recrutés dans une entreprise sur laquelle il exerce une manière un contrôle ou participer à des décisions la concernant. Alors, sur ce plan-là, la loi n'a pas bougé. L'article 433 du Code pénal est resté tel qu'il était avant la loi du 20 avril 2016. Pour autant, nous avons estimé nécessaire, parce que l'esprit dans lequel ont baigné les travaux préparatoires du 20 avril 2016 nous l'ont montré, non seulement la loi du 20 avril 2016, mais j'y ajouterai la loi du 9 décembre 2016. Relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, sur laquelle, au cours des débats de laquelle, sont revenus un certain nombre de questions d'ordre déontologique, que le législateur entendait voir s'exercer avec un peu plus de sévérité les dispositions correspondantes, et nous avons en effet un peu durci les critères que la Commission emploie pour apprécier l'existence d'un avis sur des contrats ou des décisions relatives à des opérations réalisées par une entreprise privée. Là, c'est une question de qualification juridique des faits sur lesquels donc nous sommes plus, je pense, plus rigoureux. Voilà. Alors, sur mon plan d'introduction générale, je m'en tiendrai peut-être là, et je suis maintenant prêt à répondre à
questions. Le questionnaire comportait aussi d'autres questions, mais je ne vais pas toutes les dérouler. Merci pour ces propos. Moi, j'aurais une question, alors peut-être un peu directe, mais c'est en bon esprit, hein, mais que pensez-vous en fait du fait que les avis rendus par la commission de déontologie ne sont pas rendus publics? Parce que ça peut poser un vrai problème, et notamment pour des agents de la fonction publique qui vont continuer à travailler avec des gens qui ont été fonctionnaires et sans savoir les obligations qui pèsent sur leurs anciens collègues. Et donc, ça peut poser des difficultés. Alors, la loi du 20 avril 2013 nous permet de rendre ces avis publics, mais elle s'en remet à nous, à la commission. Alors, nous en avons parlé en commission et j'avoue que jusqu'à présent, nous n'avons pas éprouvé la nécessité de rendre public tel ou tel avis. En tout cas, si, voilà. Alors, d'un point de vue, j'avoue que je préférais peut-être que finalement, la loi le dise, tout simplement, les avis sont publics et ils seront publics. Alors, ça posera simplement des problèmes, à ce moment, des problèmes de respect des secrets protégés par la loi. Bon. Secret protégé, Monsieur le Président. Puisque un avis peut comporter un certain nombre d'informations sur l'activité d'un fonctionnaire. Nous n'avons pas pour le moment eu à nous pencher plus avant sur le sujet. Nos avis sont communicables, d'ores et déjà, et quand ils nous les demandent, nous les communiquons. Souvent, d'ailleurs, ce sont des journalistes qui en demandent communication, et à ce moment-là, nous appliquons les restrictions que la commission, la CADA, la Commission d'accès aux documents administratifs, nous a indiquées, qui demandent simplement l'anonymisation de l'entreprise d'accueil de l'agent. N'anonymisons pas le nom de l'agent. Alors, c'est des questions sur lesquelles, en cas de publicité systématique, il faudra sans doute revenir. Personnellement, moi, ça ne me gênerait absolument pas que les avis soient publics, mais à ce moment-là, enfin, moi, il n'y a pas de raison qu'ils ne le soient pas systématiquement. Sur quels critères dire on va rendre public tel avis plutôt que tel autre? Je suis un peu embarrassé par cette question. Oui, sur ce sujet-là, Monsieur le Président, il y a un certain nombre de cas qui ont un peu ému l'opinion publique. Je pense à un directeur du Trésor, par exemple, qui part, qui connaît l'agilité des participations de l'État, qui part dans une grande banque, dans un fonds d'investissement chinois, avec un risque quand même de volonté de prédation. Quand le patron de l'agence de participation de l'État part travailler lui dans une grande banque d'affaires américaine, c'est pas des sujets neutres, des sujets sans intérêt. Donc bon, effectivement, quand la loi fait poser sur vous la responsabilité de pouvoir ou pas, enfin, de décider de mettre ça, de rendre public, c'est une position très très inconfortable. Enfin. Il semble que c'est quand même un sujet de réflexion central. Nous, c'est vraiment le sujet qui nous intéresse, celui qui avait motivé un certain nombre d'amendements de la commission apportés par le Sénat sur le texte de moralisation de la vie publique, qui ont été retirés par la commission enfin, par l'Assemblée nationale, mais qui ont justifié la création de cette mission d'information. C'est quand même celui de mieux encadrer le pantouflage et d'éviter le conflit d'intérêts. Il y a aujourd'hui, on le voit notamment dans le domaine économique, hein, un vrai risque de voir des partenaires, des acteurs économiques extérieurs très, 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 très puissants mettre des moyens pour neutraliser dans une espèce de alors juridiquement, ça n'a pas de qualification pénale, mais obtenir une espèce de neutralisation de certains agents de l'État dans leur fonction publique, dans la perspective, évidemment, peut-être, de ne pas contrarier un futur employeur. Je ne vais pas citer quelques corps en particulier, mais effectivement,
Voilà, je sais pas, j'imagine, je serai un jeune inspecteur des finances, je n'irai pas contrarier ni Rothschild ni Lazare dans un projet de fusion-acquisition important. C'est ce sujet-là qui nous paraît quand même qui nous paraît assez central dans notre réflexion. Donc, de ce point de vue-là, aujourd'hui, la non-publicité quand même des avis de la Commission, elle est. Est un élément qui fragilise le dispositif. Parce que certes, la personne concernée sait ce qu'elle a le droit de faire, ce qu'elle n'a pas le droit de faire, mais comme le disait le président Fabien Matras, ses anciens collègues ne savent pas quel est le champ de l'interdit qui a été créé sur l'ancien directeur du Trésor, l'ancien patron de l'APE, que sais-je. On a un autre exemple sur des cabinets d'avocats, par exemple. On a un ensemble de cabinets d'avocats parisiens qui sont très fiers d'afficher dans leur cabinet un certain nombre de membres du Conseil d'État, par exemple. J'imagine que là aussi, la commission de déontologie, enfin, le déontologue interne du Conseil d'État leur a défini un certain nombre de limites, mais que personne ne connaît. Je veux bien croire aussi qu'ils respectent ces limites, mais en tout cas, il y a une espèce d'ambiguïté sur le rôle qu'ils pourraient jouer. Et donc, tout ça est très compliqué. Donc, voilà, je vais vous montrer que chez nous, c'est un sujet quand même qui apparaît assez central. Et donc, j'ai entendu qu'à titre personnel, vous n'avez pas d'objection, hormis la question du secret, du respect du secret de la vie privée. C'est-à-dire, on ne demande pas à connaître les conditions de rémunération, on ne demande pas à connaître tout ça. Les informations de cette nature dans un avis, effectivement. Dans le cas du directeur du Trésor, la loi n'était pas encore intervenue, c'était avant, elle n'était pas encore en vigueur sur ce point. Donc, nous ne sommes même pas posé la question par conséquent. Je ne sais pas ce que la commission a fait. Je rappelle d'ailleurs, c'est la commission qui rend public, ce n'est pas son président, la commission. Bonjour. Cette petite nuance a sa petite importance. Bon, je maintiens qu'il est un tout petit peu délicat pour le moment de savoir pourquoi dans un cas on rendrait la vie publique et pourquoi dans l'autre on ne va pas le donner. Donc, encore une fois, pour ce qui me concerne, je suis plutôt partisan de cette publicité. Bon, mais à ce moment-là, une publicité complète. Ça évite comme ça de faire. De livrer plus un, parce qu'on peut avoir l'air de livrer un cas à la vindicte si on ne publie pas tout. Bon, ce n'est pas du coup l'objet qui est recherché. En tout cas, ce n'est pas ce que j'ai ressenti. Et il n'y a pas de raison, a priori, que même dans des cas qui sont médiatiquement moins importants, en tout cas moins visibles, les collègues de l'intéressé ou d'autres personnes d'ailleurs ne soient pas davantage au courant, effectivement, des limitations qui ont pu être apportées à l'activité privée qu'il est autorisé d'exercer. Il n'y a pas de raison. On peut même prendre des exemples basiques, si je peux dire. Moi, un agent de police qui va faire détective privé, les journaux n'en parleront pas. Et pour autant, est-ce moins important ou plus important que de savoir qu'on lui a demandé, ce faisant, de ne pas avoir de contact avec le service dont il vient pendant un certain temps, dans le cadre de cette activité? Bon, vous voyez, moi, j'ai à cœur de traiter l'ensemble des agents, quel que soit leur niveau, sur un pied d'égalité. Et puis vous dites que les médias n'en parleront pas, sauf si vous décidez de rendre public cet avis-là. Et dans ce cas-là, ça va attirer les regards, et je suis assez d'accord avec vous, c'est au législateur de prendre ses responsabilités et à un moment donné, de ne pas faire reposer ce choix sur la commission. Mais d'autant que pour justifier et aller dans le sens de la publicité des avis, alors là, c'est une question, mais je ne crois pas que ça existe. Il n'y a pas de contrôle de la commission, du respect par les anciens agents. Des obligations qui pèsent sur eux. Vous avez raison, Monsieur le Président. En effet, la Commission n'a pas mission de contrôler, d'ailleurs elle n'en a absolument pas les moyens, de toute manière, de contrôler le respect des réserves qu'elle a formulées. C'est à l'administration qu'il appartient d'assurer, de faire ce contrôle. Alors ça ne veut pas dire nécessairement qu'elle doit envoyer la police partout derrière le dos des agents. Simplement, quand elle a connaissance d'un fait qui contrarie une réserve qui a été formulée, il lui appartient d'agir et de mettre, le cas échéant, en œuvre les sanctions qui sont prévues.
au grand 6 de l'article 25 de la loi du 13 juillet 1983. Alors évidemment, certaines sanctions sont peut-être un peu lourdes, mais enfin, après tout, hein, il y a des questions de retenue sur pension, d'action disciplinaire quand c'est encore possible, voire de nullité du contrat conclu par l'agent avec l'entreprise. Là, j'ouvre une petite parenthèse aussi pour indiquer que parmi les sanctions qui sont prévues à l'article, n'est pas prévu le cas du fonctionnaire démissionnaire, c'est-à-dire qui échappe désormais aux poursuites disciplinaires, et non salarié, c'est-à-dire qui exercerait son activité sous forme non salarié. Là, c'est... Bon, je le signale en passage parmi le... Je ne sais pas d'ailleurs très bien ce qui pourrait être envisagé, mais ça, c'est une autre question. Voilà. Donc, c'est vrai que... C'est vrai, cela étant... L'agent qui ne suit pas nos réserves, j'ai la faiblesse de penser quand même qu'elles sont respectées, parce que de ce que je vois et de ce que j'entends, de ce que disent les personnes que nous entendons, s'expose quand même, au cas où il serait découvert dans une méconnaissance des interdictions qui lui ont faites, quand même à des ennuis, précisément. Et l'entreprise qu'il emploie aussi, peut-être. Mais... Faire reposer la charge du contrôle sur l'administration sous-entend que l'administration, elle, a une communication systématique des avis que vous rendez. L'administration a communiqué. Non seulement l'administration, mais l'entreprise d'accueil aussi. Oui. Alors, ce n'est pas la loi qui le prévoit, parce que ce n'est pas de la matière législative, c'est le décret. Et au-delà de la publication des avis rendus par la commission, certains ont, dans les auditions qu'on a conduites, ont pu évoquer la possibilité d'une interdiction pour le fonctionnaire qui a quitté la fonction publique de réintégrer ensuite la fonction publique, c'est-à-dire de partir du public vers le privé, puis du privé de revenir dans le public et puis de faire des allers-retours. Que pensez-vous de ce style d'interdiction-là ? Je ne pense pas qu'il faille nécessairement faire une interdiction systématique de retour dans la fonction publique. Alors, je rappelle qu'un agent en disponibilité, quand il veut revenir en fonction publique, n'a pas un droit absolu. Hein. Il faut encore qu'il existe un emploi sur lequel il puisse être affecté. L'administration n'est pas tenue de le réaccueillir sans condition. Alors, je crois que là encore, l'agent qui revient doit respecter les principes déontologiques fixés par la loi et se garder de se mettre en situation de conflit d'intérêts, en tout cas, génératrice, susceptible de générer des conflits d'intérêts. Donc, d'une part, l'administration doit le réaffecter sur un emploi qu'il ne mette pas dans cette situation, au vu de l'activité privée qu'il a pu avoir, et d'autre part, lui-même doit veiller à ne pas s'y mettre dans cette situation. Alors, pourquoi ? Enfin, une interdiction générale, dès lors que ces principes sont respectés, ne me paraît pas nécessairement de mise. Un fonctionnaire qui serait licencié, par exemple, qui reviendrait pour occuper une activité d'une toute autre nature dans un autre champ d'administration, sur un emploi n'ayant aucun rapport avec les activités privées qu'il a pu exercer, ne paraît pas scandaleux tout de même. Bon. Donc je ne crois pas qu'une interdiction complète soit vraiment de mise. En revanche, je pense qu'il faut veiller aux conditions de ce retour. Alors de ce point de vue, il m'est parfois demandé si la commission de déontologie ne devrait pas être rendue compétente également pour des retours de cette nature. Je pense que là, ce serait subjugé parce que nous n'avons pas connaissance des emplois disponibles dans l'administration. Donc, c'est l'administration de dire d'abord quels sont les emplois sur lesquels pourrait être réaffecté l'agent. Et à ce moment-là, éventuellement, on pourrait se prononcer sur la compatibilité de ces emplois avec les activités privées qui a eu lieu, pourquoi pas. Mais je pense que ce serait quand même se substituer un petit peu au rôle de l'administration gestionnaire. Ça ne vous semblerait pas forcément pertinent ou ça vous paraîtrait souhaitable au contraire d'avoir un regard sur le retour de ce fonctionnaire ? Je pense qu'il faut avoir un regard sur le retour. C'est par rapport au rôle respectif de l'administration à qui je maintiens qu'il appartient. Parce qu'il faut responsabiliser l'administration. Il y a parfois une petite tendance à instrumentaliser la commission en disant voilà, c'est elle qui dit, c'est elle qui dit pas. Mais il faut aussi que les administrations soient responsables. C'est d'ailleurs le sens de la loi du 20 avril 2016 que d'effectuer cette responsabilisation. Donc il ne faut pas la déresponsabiliser. Alors, donc on peut s'interroger en effet sur ce que serait le rôle respectif de l'administration et de la commission dans le cas du retour. Voilà, c'est tout ce que je dis. Et je pense qu'il faudrait, pour que la commission puisse avoir un avis pertinent, qu'elle ait connaissance
au moins de la nature des emplois sur lesquels pourrait être affectée l'agence, parce que sinon, qu'est-ce qu'elle va dire? Excusez-moi, Monsieur le Président, mais je vais peut-être mal exprimé, mais j'aimerais bien comprendre votre position. Est-ce que ça vous paraît souhaitable que la Commission puisse avoir formellement connaissance des affectations en retour ou pas? Ou est-ce que vous considérez que ça... Non, j'ai pas compris votre question. Oui, oui, je pense que c'est une information qui est susceptible d'intéresser la Commission, tout à fait. Bon, si je comprends bien, vous considérez... Enfin, c'est un point de discussion assez intéressant. Vous considérez qu'il ne faut pas faire jouer trop loin un rôle de gendarme, notamment dans le contrôle aussi, etc., le rôle de gendarme à la Commission, parce que ça risquerait de déresponsabiliser finalement l'administration. À ce que, à tout moment, l'administration reste en situation de se sentir responsable de ce qu'elle fait. C'est ce que j'indiquais tout à l'heure sur les questions de déontologie versus intérêt du service. Vous n'avez pas une sorte de corporatisme interne à l'administration qui fait que c'est un peu plus compliqué à faire pour entre soi que lorsque c'est fait par une institution comme la vôtre, dont il y a une autorité de par la loi, quoi. Oui, là, je comprends. Je vois à peu près ce que vous voulez dire. Bon, évidemment, moi, je réponds, si j'ose dire, en théorie. Il est peut-être possible que dans certains cas, on puisse craindre des formes d'entente au sein de corps de fonctionnaires. Mais ce genre de choses me paraît devoir être, en tout état de cause, prohibé sur un plan plus large. Une autre question qui a rien à voir, mais quelles sont les relations que vous entretenez avec la HATVP aujourd'hui? Il y a des vraies relations de travail, de concertation, pour essayer d'avoir une position, enfin une vision commune de... En fait, pour l'essentiel du rôle respectif de la HATVP et de la commission déontologie, les choses sont distinctes. Nous nous retrouvons simplement dans la mesure où l'une et l'autre des institutions a un avis à donner en cas de départ dans le privé. Bon. La HATVP, pour le moment, moins fréquemment que la Commission. Nous nous voyons, et nous avons conclu sur ces sujets un protocole, qui est mentionné d'ailleurs dans le questionnaire. Je l'ai apporté d'ailleurs, je le tiens à votre disposition si vous le souhaitez, qui est destiné à régler précisément nos activités respectives, puisque dans la mesure où, d'une part, la haute autorité est compétente dès qu'un agent est entré dans son champ de compétences au cours des 3 années précédentes, question d'ailleurs que le législateur a réglée avec bonheur, puisqu'avant il y avait une double compétence qui pouvait s'instaurer, nous avons à informer la haute autorité des éléments en notre possession concernant ces agents. D'autre part, il peut arriver, il arrive, que la Commission ait à se prononcer sur le cas d'un agent qui a eu à faire des déclarations d'intérêt ou de situation patrimoniale et où, par conséquent, ces déclarations sont éventuellement de nature à intéresser la Commission déontologie et nous aurons la faculté de demander à ce moment-là à la haute autorité de nous communiquer les informations utiles sur ce plan-là. Donc, je n'entre pas dans le détail de cette affaire, mais nous l'avons, voilà, nous avons, je crois, balayé à travers ce protocole les cas de figure qui sont de nature à régler dans la meilleure façon ces questions d'information réciproque. Restent les questions de doctrine commune. Alors, ça, c'est toujours un problème, la PDU, vous savez, c'est... mais... Pour le moment, les populations, si je peux me permettre ce vocable, sont très différentes. En ce qui concerne les parents privés, la haute autorité s'occupe des membres de gouvernement, des membres des autorités administratives indépendantes, des chefs d'exécutifs territoriaux. Personne qui n'entre pas du tout, évidemment, à aucun moment, et qui ne sont jamais entrés dans le champ de la commission de déontologie, qui, elle, c'est les agents publics d'une façon générale. Ce que nous faisons, nous, c'est intervenir dans la gestion courante, en fait, des agents publics. Alors, on peut s'interroger sur la question des membres de cabinet, bon, d'autant que les membres de cabinet ne sont pas toujours des fonctionnaires ou des agents publics. Il y a des gens qui viennent du privé, qui vont dans un cabinet ministériel,
convocation à retourner dans le privé. On va pas leur... De toute façon, ils n'ont pas... Bon, il faut bien qu'ils y retournent. Ma question, c'était... Je suis bien conscient que les deux publics sont complètement différents, mais en revanche, les questions sont souvent similaires, puisque finalement, que ce soit un fonctionnaire ou un élu, la question de la déontologie et des conflits d'intérêts, on peut recouper des champs qui sont identiques. Donc c'était plus, est-ce qu'il y a des échanges qui existent pour essayer d'avoir une vraie culture commune de la déontologie et finalement avoir un petit peu une vision qui soit la même pour l'ensemble de nos concitoyens, qu'ils soient élus, fonctionnaires. C'est plus ça, c'est voilà, une vision commune de ce qu'est la déontologie et le conflit d'intérêts. Est-ce qu'il y a ce travail qui est effectué? Je ne dirais pas pour le moment que nous avons sur le fond des échanges approfondis. Bon. Sur ce terrain, la commission déontologie a, si j'ose dire, un passé plus important que la commission. Sa doctrine est connue, elle est sur la place publique, elle se manifeste par la publication chaque année de son rapport. Et tout le monde peut le lire. Il est possible que nous, pour le moment, d'ailleurs, je n'ai pas enregistré de divergence en termes de doctrine. Si nous devions constater, nous nous concerterons, bien entendu. Je crois qu'il serait fâcheux que la haute autorité ait, sur des questions analogues, des positions radicalement différentes de celles de la commission de déontologie et réciproquement. À ce moment-là, il faut chercher à les harmoniser. Jusqu'à présent, nous n'avons pas eu cette difficulté. Mais nous sommes toujours prêts, moi je rencontre fréquemment le président Nadal, nous sommes toujours prêts à échanger de toutes les façons avec la haute autorité. Une autre question, aujourd'hui le système repose surtout sur l'autocontrôle ou le contrôle du chef de service pour tout ce qui est lutte contre les conflits d'intérêts ou respect des règles déontologiques. Est-ce que vous trouvez que au sein de l'administration en tant qu'institution d'une part, et au sein, intérieurement aux agents que vous pouvez auditionner, il y a une vraie culture aujourd'hui de la déontologie. Les agents, ils sont plus sensibles qu'auparavant. Est-ce que vraiment on sent aujourd'hui cette culture de la déontologie qui imprègne la fonction publique? Elle se développe, mais inégalement aussi selon les administrations. C'est une perfusion lente, enfin qui se fait depuis plusieurs années, hein, mais donc je n'oserais affirmer qu'elle atteint toutes les ramifications du système administratif français. Je le vois à travers un certain saisine qui manifeste une méconnaissance encore des principes. De plus en plus, alors peut-être parfois, certaines administrations sont-elles trop... Prennent-elles trop de précautions précisément, si ça va un petit peu à l'inverse. Vous pouvez constater, si vous regardez les statistiques concernant les avis de la Commission, qu'elles donnent souvent des avis d'incompétence. Des avis d'incompétence, pourquoi? Parce qu'elle est saisie dans des cas où l'administration cherche à se protéger, alors même que la Commission n'a pas lieu d'intervenir, notamment dans les cas d'activités accessoires. Dire qu'il est parfois difficile de faire le départ entre les activités accessoires et les cumuls par création d'entreprise. Donc voilà. Donc je perçois qu'un nombre accru d'administrations sont maintenant effectivement sensibles à ces sujets. Peut-être encore insuffisamment, je n'ai pas de statistiques, c'est une pure impression. Cela ne s'appuie pas sur des constatations faites objectivement, d'ailleurs. C'est un petit peu délicat à faire. La loi y est pour quelque chose, parce que le simple fait que le statut général est désormais inscrit dans son texte, la loi du 13 juillet 1983, les principes déontologiques, l'article 25, la question des conflits d'intérêts, est de nature à soulever plus aisément l'attention des administrations concernées. Elles le voient davantage. Et est-ce que vous ne pensez pas qu'il serait peut-être intéressant que l'on se dote, mais au-delà du statut de la fonction publique, j'anticipe parce que la dernière fois que j'ai posé la question, c'est la réponse qu'on m'a fait. Il n'existe pas de code de déontologie commun à toute la
fonction publique. Et on m'a répondu, il y a le statut. Mais oui, c'est vrai. Sauf que le statut, ça reste une loi, un texte juridique qui n'est pas forcément accessible au premier abord à tout le monde. Est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer la rédaction d'un code déontologique qui fixe au moins les grands principes, hein, la partialité, le devoir de réserve, les grands principes pour l'ensemble des fonctionnaires, qu'ils soient de la fonction publique d'État, territoriale, hospitalière, et qu'ils soient agents de catégorie A, B ou C, qui est un socle de règles communes qu'on connaît, hein, l'impartialité, l'obligation de réserve, la neutralité du service public. Voilà, mais essayer d'avoir quelque chose de formalisé qui pourrait peut-être aider à sensibiliser l'ensemble des agents. Les principes que vous venez d'énumérer sont dans la loi. Hein. Ils sont mentionnés tous à l'article 25. Enfin, sauf le principe de droit de réserve qui, lui, est discuté, voilà, est discuté dans sa nature de principe déontologique ou pas, d'ailleurs. Mais enfin, bon, ça, c'est autre chose. Oui, moi, j'avoue que je suis. Chaque grande administration a ses propres particularités. Il y a des chartes de déontologie qui se développe un petit peu partout. La justice administrative a la sienne qui lui est propre, qui d'ailleurs est complètement étrangère par nature à celle d'autres pans de la fonction publique. J'ai plutôt quand même tendance à penser que ces grands ensemble par ensemble et en fonction des situations propres à chaque pan de l'administration qu'il faut réfléchir et sous la responsabilité de l'administration, encore une fois. J'ai du mal à imaginer un code d'ensemble, je dois dire. Peut-être que je me trompe. Hein. Bon, je ne sais pas, mais ça mérite peut-être réflexion, peut-être plus avant de donner le principe. J'ai vu la réponse, hein, pas naïf, puisqu'on m'a communiqué les réponses qui vous ont été données sur ce point par la Direction générale de l'administration de la fonction publique. Pour le moment, j'ai tendance plutôt à partager. Maintenant, il faut jamais dire non à tout, hein, comme ça, sans une réflexion plus approfondie. Bon, moi, une dernière question, puis après je te laisserai, juste pour provoquer un peu en finissant. Que penseriez-vous d'une fusion entre la HATVP et votre commission, au sein d'une instance qui regrouperait ensuite deux chambres? Enfin, bon, personnellement, je n'en vois pas vraiment l'intérêt. Parce que, certes, il y a une part d'activité commune sur des populations, encore une fois, très différentes. Pour le reste, on fait des choses extrêmement différentes. La commission de déontologie, elle a, si j'ose dire, pour client 5 millions de personnes. Peut paraître d'ailleurs un nombre important, mais c'est. Grosso modo, le nombre de fonctionnaires, d'agents publics. Et elle intervient au plus près dans la gestion de ces personnes. Je ne sens pas du tout le besoin particulier de rapprocher cette activité de l'activité centrale de la haute autorité qui vise des objectifs de transparence pour les hauts responsables des autorités publiques. Une question relativement différente à mes yeux, qui n'a rien à voir avec le sort de la totalité des fonctionnaires petits et grands. Sauf pour une partie, c'est vrai, mais bon, on peut en parler, cela étant. Il y aurait quand même, je présume, une différence de taille, c'est que la Haute Autorité pour la Transparence a un statut d'autorité indépendante, ce qui n'est pas le cas de la commission de déontologie, qui n'est qu'un service du ministère de la fonction publique. Donc, ce n'est pas tout à fait la même position, la même autorité. Tout à fait raison, mais vous savez, je vais vous faire une confidence, moi je me sens vraiment indépendant. Je n'en doutais pas, Monsieur le Président, mais comme vous le rappelez vous-même, la commission, elle est collégiale, donc il n'y a pas que le Président. Collégial, ses membres ne sont pas des fonctionnaires pour certains, puisque nous avons des magistrats parmi nous. Et je peux vous assurer que nous ne nous laissons influencer par aucune pression d'aucune sorte, et d'ailleurs il n'y en a pas. Vous dites, principal argument, c'est de dire c'est pas le même public. Bon, malheureusement, il y a quand même des problèmes de frontières. Tous les gens qui sont nommés en conseil des ministres relèvent de l'un et de l'autre.
Bon, la haute autorité, elle a un champ quand même qui va grandissant. Elle a des déclarations d'intérêt de plus en plus de monde, des collaborateurs d'élus locaux, etc. Dans sa organisation. Moi, mon public, c'est 5 millions de fonctionnaires des trois fonctions publiques. Très, très concrètement, sur les 4 000 quelques avis que vous rendez, c'est avis individuel. Est-ce que vous pouvez nous en donner une ventilation par catégorie? Combien de catégories c'est dedans? Ça, je n'ai pas les chiffres sur moi. Il y en a... On s'imagine que les départs dans le privé et les demandes d'avis de la commission concernent principalement des agents de catégorie A, voire ce qu'on appelle. Non, non, mais pas du tout, pas du tout. Non, mais je vous ai dit au début qu'il y a les départs dans le privé et les cumuls d'activités. Or, les cumuls d'activités sont le fait très souvent d'agents de petite catégorie. Ça vous pourriez... Est-ce que ça existe comme statistique, la répartition par typologie d'agents catégorie A, B, C Je le dis sous toute réserve, parce qu'on a un outil statistique qui va se perfectionner, mais qui pour le moment n'est pas très, ne donne pas réponse à tout, que dans nos rapports annuels, on a des éléments sur ce plan-là. Je vais regarder. Mais, je pense qu'il ne faut pas penser, il faut pas penser que les départs, que les, pardon, les saisines de la commission de déontologie sont le fait uniquement des hauts fonctionnaires, hein, tant s'en faut. Mais on a mais une foule. Alors les infirmières, ce n'est pas catégorie C, ça j'en conviens, mais on a une foule d'agents qui vont faire, bon, des infirmières qui vont faire des soins à titre privé, des enseignants qui vont faire des petites activités aussi à titre privé. Il y en a énormément. Est-ce que, alors là, c'est vraiment une question au regard de votre expérience, de regard peut avoir pour tout ça, même si j'ai bien compris votre profond attachement au principe d'égalité de traitement de tous les fonctionnaires. Néanmoins, je me réfère à une interview du président de la République, M. Macron, dans le journal La Croix, au printemps 2017, enfin, avant qu'il soit président de la République. Il reconnaissait, sur cette question du pantouflage, qu'il y avait quand même peut-être un sujet pour des hauts fonctionnaires qui occupent ce qu'il appelait des fonctions de souveraineté financière, économique et de sécurité intérieure, pour lesquelles il considérait que, effectivement, il fallait peut-être traiter leur pantouflage avec des précautions particulières. Il évoquait même une forme d'incompatibilité avec... Des départs dans le privé. Alors, il faut arriver à écrire ça en droit, effectivement, puisque aujourd'hui, notamment, la démission est la solution la plus simple pour échapper au contrôle. Donc, en tout cas, il ouvrait la porte à une différenciation de traitement des fonctionnaires en considérant qu'il y a quand même des postes à responsabilité qui font que le départ dans le privé peut receler des enjeux particulièrement enfin, un peu différents du gardien de la paix que vous évoquiez tout à l'heure, qui devient détective privé, qui lui ne détient pas le grand secret d'État. Quelle serait votre réflexion là-dessus? Tout à fait personnel, évidemment. Oui, non, ça mérite attention, effectivement, mais avec une grande difficulté de définir de tracer les frontières dans cette affaire. Un fonctionnaire, quel qu'il soit, de toute façon, est tenu au secret, y compris lorsqu'il a quitté la fonction publique. De ce qu'il a pu connaître dans le cadre de son activité. Alors là aussi, il y a des problèmes de contrôle qui peuvent se poser, etc. J'ai. En tout cas, une interdiction pure et simple est quand même extrêmement délicate à rédiger. Dans notre droit, ça existe. Par exemple, un préfet n'a pas le droit d'être candidat à des élections. Pourtant, la liberté d'être candidat, c'est important, pendant 5 ans dans le département où il a été en fonction. Donc, dans notre droit, on a su l'écrire, le Conseil constitutionnel. Je ne sais pas si une QPC là-dessus, mais enfin, on n'a jamais remis en cause ces éléments-là. Donc, on pourrait tout à fait considérer que ce qui vaut pour un préfet, pour des raisons de déontologie sur le plan politique, pourrait valoir pour des hauts fonctionnaires sur des intérêts économiques et de souveraineté de l'État. Ce n'est pas tout à fait la même chose que de se présenter à des élections ou d'exercer une activité économique. Il n'y a pas.
Une liberté fondamentale dans les deux cas. Dans les deux cas, je vois pas. Bon. Et pour un préfet qui a eu, alors pour le coup, exercé des responsabilités, notamment de maintien de l'ordre, pas de contrôle, mais en tout cas de représentation de l'État vis-à-vis de l'ensemble des élus d'une circonscription territoriale, c'est quelque chose qui me paraît plus naturel que de dire qu'une personne qui a exercé de hautes responsabilités dans l'administration et ayant un impact, ayant des impacts économiques importants, de dire qu'il n'aurait pas le droit d'exercer des activités, qu'il n'aurait pas le droit de démissionner par conséquent. Puisque démissionner, c'est exercer. Clair, ça viserait le patron de la des fonctions de l'armement, des fonctions. Enfin, vous voyez, on est dans des secteurs quand même très 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 précis avec des gens. Si cette personne qui fait de l'armement veut aller vendre des chaussettes dans un coin du territoire, pourquoi lui interdire? C'est la notion d'interdiction qui m'arrête. Il faut qu'il y ait quand même un lien pour motiver une interdiction de cette nature qui, quand même, se heurte précisément à l'exercice de liberté, qu'il y ait un motif sérieux tout de même. Qu'on lui interdise en effet certaines activités, c'est d'ailleurs ce qui se passe dans la loi actuelle. Personne n'est obligé d'accepter ces fonctions qui vous permettent, par exemple, d'accéder à des secrets d'État, enfin, secrets de la défense nationale, etc. Quelqu'un qui accepte ce genre de fonction, personne ne l'a forcé. Donc, on pourrait aussi imaginer que dans le contrat, sur ce poste-là sur lequel il a postulé, il sache que derrière, il y a une contrainte. En droit, ça me paraît un raisonnement pas totalement aberrant, quoi. Encore, personne ne force les gens à accepter telle ou telle fonction. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais. Vous avez raison, mais il n'y a pas de liberté. En l'état du droit, il n'y a pas de liberté totale derrière, de toute façon. De toute façon. On a su le faire pour les membres du corps. Liberté fondamentale, celle de pouvoir exercer une activité professionnelle et celle d'être de citoyen. Je pense que ce sont deux libertés fondamentales. Il y a un cas où on a su considérer que moralement, c'est un peu bizarre quand on a distribué des subventions dans un département pour être le candidat après, dans ce département-là. C'est ça la vraie raison d'ailleurs. Ce n'est pas les fonctions d'autorité qu'on a exercées, c'est simplement le risque de clientélisme qu'il y aurait à ce moment-là pour les membres du corps préfectoral. De la même façon, considérez que si vous avez eu des missions de contrôle, un pouvoir très important dans l'administration, eh ben vous n'allez pas. C'est quelques dizaines d'emplois probablement. Non, sur le principe, c'est quelque chose qui vous choquerait, vous êtes très libéral. C'est un tout petit peu rebelle à cette idée, dans la mesure où l'arsenal juridique permet aujourd'hui, si on l'applique correctement, de faire de la prévention. Alors peut-être que pour quelques emplois, la question pourrait se poser, oui, peut-être. Ah bon, moi je suis un modeste dans cette affaire. Je pense que là, pour le coup, c'est vraiment le législateur qui intervient. Là, je parle de titre personnel. Donc, quand je m'exprime avec les réserves que j'ai formulées, va faire là aussi son travail, hein. Une toute dernière question sur les. Il y a un processus, je crois, de seconde délibération dans la commission. Il y avait la question du fondement juridique de cette seconde délibération, d'ailleurs, que je n'ai pas trouvé. Et la deuxième, c'est est-ce que c'est une pratique fréquente et à quoi on aboutit en cas de seconde délibération? Est-ce que c'est juste vraiment quelqu'un qui demande une espèce de recours gracieux ou est-ce que c'est avec des compléments d'information Alors, la seconde délibération, elle est prévue par le deuxième alinéa, évidemment, il faut la trouver, hein. Le deuxième alinéa du grand 6 de l'article 25 octies de la loi du 13 juillet 1983, issue de la loi du 20 avril 2016. Ce grand 6, d'ailleurs, du 25 octies, bon, il y a beaucoup de choses dedans, il y a plusieurs alinéas avec des objets un petit peu différents, donc ça, c'est une question sur le plan légistique qui pourrait se discuter, mais c'est purement formel. Alors, elle est demandée, cette deuxième délibération, non pas par l'agent, mais par l'autorité, demandée par l'agent uniquement. Alors, fréquente, elle ne l'est pas, mais nous avons quand même un certain nombre de
cas. Dans l'année passée, on en a peut-être eu 4 ou 5, je n'ai pas le chiffre précis en tête, on n'a pas eu le temps de regarder de plus près. Et à ma connaissance, dans mon souvenir, nous avons changé d'avis une fois. C'était au début de 2016. Pour être concret, c'était le départ aux orchestres de Radio France du directeur de la création artistique. Très bien. Je n'ai pas d'autres questions non plus. Bah, écoutez, merci de nous avoir accordé ce temps. Oui.